Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy. Les amis, aujourd'hui on a du lourd grâce à notre ami Koala, notre R4 Koala qui nous a fait un fichier des familles. Vous allez voir, il va faire plaisir. On va revenir sur les events, mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos? Et qu'attendez-vous également pour nous rejoindre sur le Discord de la chaîne? N'hésitez pas, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous y retrouvez tous les screens que vous pouvez voir sur mes vidéos et bien plus encore les documents que je vais vous montrer. On y échange, il y a une section pour les questions sur Infinite Galaxy, beaucoup de sections pour Infinite Galaxy. Et si vous commencez seulement maintenant le jeu et que vos comptes ont été créés après le 18 juin, entre le 18 juin et jusqu'au 18 septembre, le code REDEEM PATATOU GAMING pour avoir un starter pack a été réactivé. N'hésitez pas à l'utiliser, vous pouvez simplement créer une farm et l'utiliser les amis, ça fait toujours plaisir, un petit pack gratuit pour commencer, donc n'hésitez pas. En parlant de pack gratuit, regardez les votes merci, je vous en parle très souvent, et ben je voulais vous montrer que moi aussi je dépouille cet event. Je vous dis, je vous montre rarement que je le fais, mais en tout cas, tout comme je vous le dis, moi aussi je suis obligé parfois d'acheter, et là j'ai acheté des ressources. Pourquoi acheter des ressources? Il faut les acheter évidemment quand il y a un cumul d'events, c'est pour ça que je le fais maintenant. J'ai été obligé d'acheter des ressources car je veux monter mon centre de commandement niveau 24. Et pour ça, il faut que je monte mon centre de défense et je manquais cruellement de ressources pour le monter, même si je farme comme un ouf, ça ne suffisait pas. Du coup, j'ai été chercher des ressources et regardez, il faut que je lance aussi l'ambassade. Normalement, ça doit pouvoir le faire, ça doit pouvoir passer. Est-ce que si je vais sur l'ambassade, j'ai assez de ressources? Oui, il faut pas tant que ça. Je pensais qu'il fallait plus. Alors, à mon niveau, c'est pas beaucoup. Hein. 3 millions de titanes, par exemple. Donc, je vais, à mon avis, pouvoir la lancer. Vérifions. Ok, je peux la lancer. En nickel, c'est bon. En plasma, c'est bon aussi. Tout est bon et on peut lancer et demander l'aide, bien évidemment. Et il ne me restera plus qu'à farmer comme un dingue pour aller chercher. Regardez ces montants de ouf. Plus de 30 millions de titanes, près de 30 millions de deutérium, le nickel pareil, hein, plus de 6 millions de nickel et plus de 2 millions de plasma. Le plasma, plus de 2 millions, ça va être un enfer, mais il va bien falloir farmer pour ça. Et pour bien farmer, il faut un bon équipage et il faut aussi optimiser au maximum cet équipage et ses vaisseaux. Et c'est ce sur quoi Koala a travaillé. Je vais vous montrer ce fichier de dingue que vous pouvez retrouver. Il en a fait d'autres que je vous ferai des vidéos dessus. Ce fichier de dingue sur Excel que vous pouvez retrouver sur le Discord. Regardez donc, hein, il a tout classé les meilleurs commandants pour farmer. Il y en a 12 si je ne dis pas de bêtises. 2 en légendaire, 4 en épique. Et puis après vous verrez les normaux, enfin les supérieurs c'est les bleus et les normaux. On les a classés par effet de membre d'équipage et effet de capitaine de vaisseau avec un commentaire qu'on va voir. Le premier d'entre eux est bien évidemment Greg Lee, un commandant de début de jeu qui augmente en tant que membre d'équipage sur l'aspect ressources le pourcentage de vitesse de collecte. En autre, il a pourcentage de réparation. Bon, ça sert à rien pour nous, hein, pour le farming. En tant que capitaine de vaisseau, il a un pourcentage augmenté de vitesse de récolte. Et en autre, vitesse de navigation. Là, ça peut être utile pour jumper d'un point de ressource à une autre ou pour revenir plus vite. En commentaire, le pourcentage de vitesse de collecte est meilleur en tant que capitaine. Un commentaire anodin, mais quand même qui a son utilité. Bolt, second commandant épique, spé collecte. Il augmente en tant que membre d'équipage le pourcentage de production de la planète. C'est pas rien, c'est même énorme. Autre limite de vaisseau à réparer, bon ça sert à rien. Effet capitaine de vaisseau, pourcentage de charge et autre pourcentage de production de la planète. Là on est sur du lourd. Hein. Le pourcentage de production de la planète est meilleur en tant que capitaine. Donc, deux profils totalement différents. Lequel mettre capitaine, si vous avez les deux, c'est simple. Si vous vous connectez qu'une seule fois par jour, le matin puis après que le soir, il faut optimiser la quantité ramenée, donc le boost de charge et la production de la planète. Donc, mettez Bolt capitaine. Si vous vous connectez plusieurs fois dans la journée, il faut optimiser la vitesse de récolte. Donc, vous allez mettre Greg Lee en tant que capitaine. On verra, il y a le même parallèle à faire avec les commandants épiques. Les commandants épiques, on y passe d'ailleurs avec Aminagi ou Amiagi,
Misato, il me semble que c'est une femme, qui n'a bien évidemment pas d'effet de ressources de membres d'équipage, mais vitesse de réparation en tant que autre, pas très utile, hein, et en tant que capitaine, pourcentage de production de titane de thérium de la planète, très intéressant. Lieutenant Freeman, rien en tant que hôte d'intéressant, et pour l'effet de capitaine de vaisseau, boost de charge, très intéressant également. Lincoln, vitesse de réparation sans moque, et en tant que capitaine, vitesse de collecte de thérium acier, c'est ultra intéressant aussi selon ce qui vous manque. Pour finir, Rebecca Hanson Harmony, qui augmente le centre de stockage, bon, on s'en moque totalement, et en tant que capitaine, la vitesse de collecte de titane, là, et le pourcentage de production de titane de la planète, là, c'est du très lourd, hein. C'est le meilleur épic avec Misato de mon point de vue. Et encore une fois, le même parallèle, si vous vous connectez qu'une seule fois, il faut augmenter la vitesse, donc Rebecca, la quantité de collecte, c'est ça, donc il faut mettre à Maggie Misato, si vous vous connectez que plusieurs fois dans la journée, mettez Rebecca Harmony en tant que capitaine si vous n'avez ni Gregly ni Bolt. Ça va dépendre vraiment de votre profil de joueur. On passe aux commandants d'un niveau dit supérieur, les bleus, qui vont augmenter le pourcentage en tant que membre d'équipage, hein, pour Braun Schwimmer, notre ami allemand, la production de la planète, un pourcentage plus élevé. Avec un petit commentaire à noter, si vous ne l'avez jamais relevé, les bleus et les verts, vous ne pouvez pas les mettre en tant que capitaine. Donc, il n'y a pas de skill en tant que capitaine. Ensuite, on a Hill Cox qui va augmenter le boost de charge. Puis, Trek Wagner, hein, ça fait déjà deux Allemands, pourcentage de collègues, puis Alice Kim qui va augmenter le boost de charge, et pour finir Brickton Kuzma, la vitesse de collecte. Ces 5 commandants là sont vraiment des must-have, c'est des commandants qu'il faut posséder absolument si vous voulez avoir un bon équipage optimisé pour la collecte. Ce sera les meilleurs, et évidemment, encore une fois, vous ne pouvez en mettre aucun de ceux-là commandant, il va vous falloir un épique ou un légendaire pour les mettre commandants. Ce n'est pas tout. Notre ami Koala, faisant bien les choses, il nous fait non seulement un petit résumé du nombre de commandants qui augmentent quoi, mais également, après, vous allez voir, il donne son avis personnel. Et son avis personnel, je le partage totalement, il est très pertinent comme d'habitude. Vous le voyez, pourcentage de collecte totale des membres, il y en a 3. Pourcentage de production de planète totale des membres, 2. Pourcentage de boost de charge totale des membres, 2 également. Si on passe sur le skill des capitaines, évidemment ça ne concerne que les épiques et les légendaires. Vitesse de collecte totale de capitaine, 3. Production de planète totale de capitaine, 3. Boost de charge totale de capitaine, nous sommes à 2. Pour finir, au niveau du commentaire, on a dont un capitaine de collecte général, un titane, un collecte général, un deutérium avec un boost de vitesse et un pourcentage de production de la planète. Donc là, vous avez toutes les informations de base pour bien choisir votre équipage en fonction de ce que vous avez. Mais attention, c'est pas tout. Regardez ce résumé. Il y a 12 places disponibles en formation d'équipage et 11 membres d'équipage spécialisés dans la collecte de ressources. À cela, vous retirez les 6 membres qui peuvent être promus et vous obtiendrez votre base pour une formation d'équipage spé collecte. C'est très clair. Sur ces 6 membres, tous ne sont pas optimisés pour la collecte en tant que capitaine. À son sens, et je partage son avis, Gregly, Bolt, Amagi et Rebecca sont les plus optimisés pour la récolte de planètes, c'est ce que je vous disais. Après, à adapter selon votre profil. Pour la récolte d'astéroïdes, c'est différent, mais regardez, donc je vous disais, à adapter selon votre profil, c'est si vous connectez plusieurs fois dans la journée. Si vous connectez plusieurs fois, il faut aller sur la vitesse, encore une fois. Si vous vous connectez donc Gregly et Rebecca, si vous connectez qu'une fois, sur la quantité, donc Bolt et Misato Amagi, qui vont augmenter ce que vous allez ramener en une seule fois grâce à un boost de charge ou à un boost de production. Les deux sont encore une fois à décider vraiment selon votre profil. Et entre planète et astéroïde, c'est différent, puisque sur astéroïde, les commandants les plus optimisés sont Greg, Lincoln et Rebecca grâce à leur boost. D'autres, comme Freeman, doivent être couplés avec une formation d'équipage qui up la production de la planète pour optimiser sa compétence. À vous de faire en fonction de ce que vous avez. C'est exactement ce que je vous dis. Ceci est une base de départ, il faut l'optimiser.
Vu que tout le monde n'a pas forcément tous ses commandants ou qu'il vous reste peut-être des places dans votre formation d'équipage, complétez avec des boosts de recherche, de construction et de réparation ou d'attaque tout autre. Hein. Vous aurez une formation polyvalente et performante. Évidemment, ça vous évitera de changer tout le temps et ça vous permettra d'avoir vraiment un set, un équipage qui sera vraiment très optimisé pour la ressource et qui aura quand même des compétences pour le reste. Attention, ceci est une base qui peut évoluer en fonction de vos recherches et surtout, surtout, module de noyau. Si vous êtes spé développement, vos boosts en seront affectés, en bien évidemment, donc positivement, vous allez avoir des boosts nettement supérieurs. Le noyau, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça fait longtemps que je vous en parle. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur le noyau parce que j'échange pas mal avec vous sur le Discord et je vois des bêtises qui sont faites sur le noyau et qui vous pénalise tant au début du jeu que plus tard dans le jeu. Donc voilà les commandants de base et l'équipage de base que je vous conseille. Encore une fois, merci à toi mon ami Koala, tu es vraiment un sensei en matière d'équipage, mais pas que. Donc c'est l'équipage que je vous conseille avec petite préférence si vous l'avez pour Greg Lee en tant que capitaine. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy.